Cette école de terrain se fait dans le cadre du Master Best spécialité terrestre, enfin écosystème terrestre de l'Université de la Réunion. Et dans le cadre du Master, on privilégie la découverte des écosystèmes terrestres tropicaux. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se rendre sur le terrain. À la Réunion, par exemple, on part une semaine dans la forêt de Marlongue pour étudier la botanique tropicale de l'île de la Réunion. Et le voyage à Madagascar, on le fait annuellement avec les premières années, parce que Madagascar est au centre d'un hotspot de biodiversité. C'est-à-dire que c'est des zones qui, sur la planète, concentrent une biodiversité phénoménale. Il y a en fait 4% des terres émergées qui renferme plus de 50% des espèces. Et à Madagascar, on a la chance d'être dans un de ces hotspots, mais aussi à La Réunion, aux Seychelles et aux Comores. Et donc venir étudier cette biodiversité à Madagascar, c'est une grande chance pour nos étudiants, pour découvrir toutes les facettes de l'écologie. Le parc de Kirindi, plus précisément la concession forestière du Centre national de recherche sur l'environnement et formation de Kirindi. C'est une partie du parc Menabe-Antimène qui est composé de plusieurs entités avec plusieurs institutions qui les gèrent. C'est une forêt dense sèche, semi-caducifoliée, donc accessible toute l'année. La flore, on peut trouver donc tous les représentants des familles des plantes des forêts sèches de Madagascar. Au niveau faune également, la faune est très riche, que ce soit en mammifères ou en primates ou bien en oiseaux et autres. Donc on peut tout, si on peut le dire, trouver donc faune et flore. On est dans un écosystème assez particulier parce que c'est une forêt saisonnière dans le sens où elle subit une très forte saison sèche. Donc on a des plantes qui se sont adaptées à un climat très rude la moitié de l'année et où l'eau est très abondante la deuxième moitié de l'année. On proposait trois thématiques aux étudiants, donc ils sont répartis en trois groupes. Donc un groupe qui travaille sur la diversité des lépidoptères, donc des papillons, à la fois de jour et de nuit, et sur les interactions avec un groupe de plantes avec les espèces d'orchidées. L'an passé, on avait observé qu'il y avait certains papillons qui portaient du pollen d'orchidée sur leur trompe. On n'avait malheureusement pas observé l'orchidée, donc cette année, on a mis en place un atelier qui fait le focus sur cette interaction. 12, 13, pareil que les autres. Alors on a trois ateliers essentiellement. Un premier qui se décompose sous un inventaire des papillons de jour et de nuit présents dans la zone, dans cette forêt de Kirindi. Un deuxième atelier qui a consisté à référencer et à trouver, dénicher les orchidées en fleurs pendant cette courte période dans les parages. Et ensuite un troisième atelier qui a été l'idée de mettre en lien ces papillons présents, les orchidées en fleurs, et essayer de démontrer une pollinisation
de ces orchidées par les papillons présents. Gardez le fil à la main. Ah, super. Quoi? Regardez, je vais vous montrer. Ta-da-da. Celle-là a été prélevée. Et en fait, si vous regardez bien, il reste les écailles du papillon. Non. On a réussi à voir en fait une interaction entre des papillons de jour et cette espèce. Et on s'est mis du coup à vraiment faire un focus avec des suivis vidéo, des observations visuelles et également en fait rentrer plus dans les détails des pièces florales présentes sur la fleur et de la possibilité de retrouver du pollen sur les trompes de papillons. Donc en faisant de la capture et vraiment de l'observation à la loupe. Et en plus, on a une interaction qui, elle aussi, est nouvelle, dans la mesure où ce type d'orchidée est généralement pollinisée par des papillons de nuit, comme c'est le cas pour l'orchidée de Darwin avec le sphinx géant de Madagascar. Et en fait, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a d'autres pollinisateurs que les sphinx, donc ces papillons de nuit. Et en fait, ce sont des papillons de jour qui sont aussi capables d'effectuer la pollinisation. Donc on améliore la connaissance, et ces connaissances nouvelles, elles ont aussi une importance dans le domaine de la conservation des écosystèmes et de la biodiversité, puisque plus on en saura sur comment les espèces font pour se reproduire, mieux on pourra les protéger. Ou c'est ouvert. Alors, tu as ouvert. F, la fleur de l'individu 1 de la... Donc, t'as dit, il manque une pollinie. Une pollinie. Donc, un prélèvement et zéro dépôt. Le deuxième groupe travaille sur un... Donc, le deuxième groupe d'étudiants sur un groupe d'animaux particuliers de Madagascar, c'est-à-dire les lémuriens, pour essayer de comprendre, bien décrire leur comportement, notamment en termes d'alimentation, voir quelles sont les espèces qu'ils utilisent, qu'ils consomment dans la forêt. Donc, des espèces d'arbres, de lianes, de plantes en général. Il est avec sa femelle. Alors, moi j'ai choisi l'atelier pour l'étude des comportements des lémuriens. Et en fait, il s'agit de faire un éthogramme, c'est-à-dire de faire une liste des comportements des lémuriens. Et donc, on a décidé d'observer les lémuriens blancs, les Propithecus. Et du coup, à intervalles de temps réguliers, c'est-à-dire toutes les 5 minutes, on va noter leur comportement. Celui qui est un peu entre les... Et après, il y en a encore un autre qui est... Genre là, il descend, je vais le voir. Ok, bah, c'est le mien, celui-là. Donc, tous les jours, on essaye d'observer les lémuriens et de plus précisément, on se concentre sur leur comportement alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'ils mangent, si c'est des fruits, si c'est des feuilles, à quelles espèces appartiennent ces parties, ces organes, et aussi quelle est la fréquence de nourrissage. Si elle préfère se nourrir plutôt le matin ou plutôt l'après-midi. Ok, bah c'est pas bien. On essaye de faire une heure, au moins 45 minutes d'observation tous les matins et tous les après-midi. On est 4 à observer et on fait des observations toutes les 5 minutes. Donc toutes les 5 minutes, par exemple pendant entre 45 minutes et 2 heures à peu près, on note le comportement, on note ce qu'ils sont en train de manger, comment ils le font, etc. Et à chaque fois, on se concentre sur chacun sur un individu. Donc ça veut dire que toutes les données qu'une personne obtient, elles sont multipliées par 4. Donc à la fin, je pense qu'on aura quand même pas mal de données pour réussir à faire des conclusions qui sont statistiquement correctes, etc. Et le dernier groupe, donc, sont plus attentifs à la distribution spatiale justement de ces plantes, dont certaines sont de ces arbres, dont certains sont consommés par les lémuriens, pour essayer de comprendre leur distribution spatiale, à la fois des gros adultes, donc des semenciers qui vont produire les graines, et à la fois des jeunes stades qui font les générations futures de ces espèces-là dans la forêt. Prendre les gros pieds dans la parcelle et après travailler en relatif avec ces gros pieds. Le but de cette étude, c'est plus de déterminer la répartition des arbres qui structurent cette forêt et de voir les différences entre certaines espèces au niveau de leur dispersion et éventuellement lier ça avec les interactions avec les disperseurs. Il y aura une espèce qui a perdu son disperseur, qui est le baobab,
qui avait probablement comme disperseur une tortue terrestre ou un grand lémurien, et une autre espèce qui, elle, est actuellement encore dispersée par des animaux. Pour notre étude, on va prendre deux zones d'environ un hectare chacune. Dans ces deux zones, chaque zone sera quadrillée en six parcelles. Et chaque parcelle sera prospectée environ une heure en ratissant toute la forêt. Et chaque arbre de plus de 5 cm sera dénombré, marqué à l'aide d'un GPS. Et ensuite, le tronc sera mesuré pour savoir la répartition des tailles au sein des différentes espèces. On a essayé de relier les thématiques, si possible, entre les différents groupes d'étudiants. Sur le groupe lémurien et arbres, on va pouvoir relier les informations, enfin croiser les informations en tout cas, par rapport aux observations de consommation des plantes. On va pouvoir comparer ça avec les distributions donc des jeunes stades, donc des plantules qui sont issues de la germination des graines dispersées par les lémuriens, pour essayer de comprendre comment se fait la régénération donc des espèces étudiées par le second groupe d'étudiants. Sur l'environnement, ça c'est clair, je pense qu'on ne peut que être satisfait. Sur le contenu aussi, c'est vrai qu'au début de l'année c'était quand même vachement théorique, mais là maintenant ce semestre on a fait un camp de terrain d'une semaine dans la forêt de Marlongue à La Réunion. Là on passe 10 jours à Madagascar et puis on a encore eu d'autres sorties qui étaient super intéressantes. Après ces 2 années de master, j'aimerais bien travailler plutôt dans la biologie de la conservation pour tout ce qui est sauvegarde des espaces naturels, des espèces, et plutôt en forêt tropicale. Mais sinon, je pense continuer en thèse, pour faire soit de l'écologie des forêts ou de la botanique. Après mon master, je suis encore un peu indécise, mais ce qui m'intéresse, c'est la conservation et la restauration des habitats pour les espèces endémiques de La Réunion. Moi, j'ai déjà une petite expérience en recherche, ouais. Mais si je devrais parler de thématique, j'apprécie beaucoup les relations plantes-insectes, donc tout ce qui est pollinisation ou prédation, parasitisme, etc. Donc en fait, ce qui est pas mal sur ces thématiques-là, c'est que ça peut être appliqué à la fois à des milieux naturels, mais c'est quand même plus compliqué de trouver des postes en fait, avec comme modèle des milieux naturels. Mais ça peut aussi être appliqué aux milieux cultivés, donc sur des soucis agronomiques. Ce master est associé à un autre master international qui de type Erasmus Mundus, qui est le master Tropimundo. Et donc dans ce cadre-là, on sera amené dès l'an prochain à accueillir des étudiants étrangers qui viendront se joindre à notre promotion de master de l'Université de La Réunion pour effectuer des écoles de terrain, soit à La Réunion, soit à Madagascar.